Et les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Dames en heren, op handen gedragen door de ene, verguisd door de andere. Hier is de commissaris, of moet ik zeggen, de ex-commissaris van de drugsbrigade van Antwerpen, Jan Verbeek. Là où moi j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment la direction de comédien, m'amuser un peu dans la direction d'acteur, me reposer mille questions avant de faire le film. Donc ouais, j'ai repris. Enfin, j'avais plus de c'est encore plus mon film, quoi, tu vois, que j'avais avec Les Barons, tu vois, où je l'avais peut-être un peu moins avec La Marche parce que c'était c'était le sujet qui était plus fort que le film, tu vois. Mais là, le fait peut-être d'être en Belgique, d'être chez moi, d'être avec des codes que je maîtrise un peu plus, c'est-à-dire dans mon pays, fait que je m'amuse plus avec l'outil, en fait. Restez me voir, Jan Verbeek. Jan Verbeek, technisch gezien, zit je toch nog een aantal uur onze commissaris, dat klopt toch? Ja, waarom? Mijn informant heeft gebeld. J'essaye de pas refaire le même film. Vraiment. Je pense que c'est mon passé d'ouvrier qui fait que, ayant fait la même pièce, j'évite de refaire le même film. Je pense que c'est tellement compliqué de faire un film, que ce soit Les Barons, que ce soit La Marche, que ce soit Dodo, qu'il faut garder le plaisir. Et garder le plaisir, c'est essayer de... J'aime pas ce terme, se mettre en danger, mais essayer de faire des choses différentes. Et il y avait des challenges, évidemment, dans Dodo. Faire un film en flamand qui n'est pas, on l'a remarqué, ma langue maternelle ni ma langue principale. Et raconter cette histoire-là maintenant. Donc ça c'était le challenge. Là, revenir en Belgique avec un film pas simple à monter, parce que c'est un film francophone. Hein. C'est-à-dire, tu vois le truc, ça reste un film communauté française et tout ça. Donc et on le fait dans une autre langue, on assume un genre qui est peut-être rarement fait chez les francophones, tu vois. Dans le cinéma francophone, et c'est ça qui est excitant, quoi. Kom, je n'ai tegen dame kaarten. Radio's op de 3? Ja. Ruud, ga je met mij mee? Johan, ja. Idris en de rest. Jongens, het is mijn laatste avond. Het is mijn feestje. En ons goer is mijn cadeau. Oké? Oké. Kom, we pakken dat. Les discours haineux, politiques, populistes, etc., on les entend partout. Donc c'est vraiment pas un cliché, c'est ça qui fait peur. C'est que c'est la réalité et qu'on la dépasse là. Donc voilà, après évidemment, faire parler une personne qui a un discours extrême, c'est pas évident. Mais ça fait, c'est aussi ça le challenge, pouvoir s'attacher des fois à une personne comme ça. Jan Verbeek die de politiek ingaat, ik had het niet zien aankomen. Een van de kritieken die steeds terugkomt, is dat uw discours racistisch is. Een informant heeft gebeld. Inspecteur Dries Ben Haïssa, mijn rechterhand en vertrouwenspersoon. Oscar, fucking Caracas, vanavond. Ben Haïssa, van achter in de keel. Haïssa. Volgende vraag. Dries, ça c'est un personnage pour moi qui est pour moi très intéressant. Parce que c'est finalement pas le personnage principal du film, mais c'est un personnage qui pour moi pose beaucoup de questions sur ce choix en fait, finalement. Parce que c'est des personnes qui font que des choix. Driss, on rentre dans le film avec une personne qui a fait un choix. Est-ce que c'est le bon choix? Het Nederlands-Arabisch woordenboek. Het misverkochte boek ter wereld. Allee, kom hier. Parce que finalement, on est sur un personnage. On va pas dire jusqu'où il va. Ça serait ridicule, mais il va dans la surintégration à l'extrême. Il va jusqu'à changer son nom, il va jusqu'à adhérer à des idées qui sont contre tout ce qu'il est. Pas ce qu'il représente, mais tout ce qu'il est, et il fait un choix d'aller au bout du délire, pour moi, en oubliant totalement qui il est. Sauf que ça marche pas, pour moi. Tu peux pas, d'un coup, tenir debout et couper les racines. Et Driss, c'est ce qu'il essaye de faire. C'est ça qui est intéressant. Il m'a un geschreven et tout. Ja, Jan.
We gaan het volgens boekje doen, hè? Is het echt? Ja, we gaan het volgens boekje doen. Verhaald. Mag ik u vragen om mij uw wapen te geven en uw badge? Dat mag. Zal dat maar doen, zeker? Voilà, zie je dat je nagels niet breekt? Personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a derrière le message politique? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce d'honnêteté de discours politique en donnant des leçons aux autres, mais en faisant le contraire derrière? C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'il y a derrière aussi la personne qui parle. Il dit des choses horribles. Hein, être d'accord avec Yann Verbeek, le suivre dès le départ, c'est qu'il y a un problème. Donc à un moment donné, on peut s'attacher à une humanité, à un moment donné qui dégage, à un moment donné du film, ou se reconnaître à une situation dans laquelle il vit, et de se dire « j'aimerais bien qu'il s'en sorte ». Après, voilà, si les gens arrivent à aller au bout du film, c'est qu'il y a quelque chose... Qu'est-ce que ça raconte de pouvoir s'attacher à ce personnage-là ? Yo, how the man are you taking for?